Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will talk about routines and daily activities. We will explore how to discuss daily activities. We will compare the routines of French, Canadian, and Spanish people in terms of work and meals. And I will tell you about my own routine. We will practice reflexive verbs, we will learn a variety of vocabulary to describe everyday activities, we will learn how to tell the time in French, and much more. During the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. You can find transcripts and language activities for this podcast on my website www.explorefrench.com and if you enjoy Explore French podcast be sure to check out my second podcast channel Learn French with Anthony's blog. Difficile d'échapper à la routine. Mais qu'est-ce que la routine La routine, ce sont toutes les activités, les actions et les habitudes que nous répétons tous les jours au quotidien. La routine est présente dans notre vie quotidienne et il est difficile d'y échapper. Pour beaucoup de gens, elle est associée à quelque chose d'ennuyeux, de monotone et de négatif. Pourtant, la routine est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle apporte une forme de stabilité et de structure à notre vie. Elle nous permet d'aller plus vite et de dépenser moins d'énergie pour réaliser certaines activités du quotidien. Mais bien sûr, il ne faut pas se laisser enfermer dans la routine. Sinon, en effet, on s'ennuie parce que chaque jour semble se répéter. Mais alors, quelles sont toutes ces activités, ces actions et ces habitudes que nous répétons tous les jours au quotidien Bien sûr, tout commence le matin quand il faut se réveiller et se lever. Jusqu'ici, c'est probablement pareil pour tout le monde. Après, il existe deux types de personnes. Il y a ceux qui préfèrent prendre le petit déjeuner d'abord et aller se laver ensuite et il y a ceux qui préfèrent aller se laver avant de prendre leur petit déjeuner. Dans la salle de bain, les habitudes varient aussi en fonction des personnes. Certes, tout le monde se lave les dents mais il y a ceux qui préfèrent prendre une douche le matin et ceux qui préfèrent prendre une douche ou prendre un bain le soir. En fait, certains prennent même une douche le matin et une autre le soir, alors que d'autres n'en prennent aucune. Aussi, certaines personnes se coiffent et d'autres ne se coiffent pas. Les habitudes varient aussi entre les hommes et les femmes. Le plus souvent, les hommes se rasent la barbe et la moustache, alors que les femmes ne se rasent pas. Et le plus souvent, les femmes se maquillent, alors que les hommes ne se maquillent pas. Il reste ensuite à décider comment s'habiller. Bref, le matin, il faut se préparer pour sortir et aller travailler. Le soir, au contraire, on se déshabille ou on se change pour aller se coucher. Quand ils se mettent au lit, certains lisent un livre et d'autres allument la télévision ou regardent leur téléphone. En tout cas, lire un livre au lit est probablement le meilleur moyen de s'endormir. Moi, je n'échappe pas à la routine. En semaine, je me réveille le matin à sept heures et quart. Je reste au lit quelques minutes, puis je me lève vers sept heures vingt ou sept heures et demie. Après, je vais directement prendre mon petit déjeuner. Je prends un café allongé, c'est-à-dire un café de type americano, avec des tartines. Oui, je suis très français, et je mange donc du pain grillé avec du beurre et de la confiture tous les matins. Tout ça avec un jus d'orange. Après le petit déjeuner, vers huit heures moins le quart, je me brosse les dents et je me lave le visage. Vers huit heures moins dix ou huit heures moins cinq, je m'habille, je me coiffe et je suis généralement prêt vers huit heures. bon, parfois, c'est vrai, je reste au lit plus longtemps, et je ne suis pas prêt avant huit heures et quart. en tout cas, je suis toujours à l'heure pour donner mon premier cours à huit heures et demie. le soir, je finis mon dernier cours à dix-huit heures, ou exceptionnellement à dix-neuf heures trente. je dîne vers 20 heures et je vais me coucher assez tard, vers minuit ou une heure du matin. Le rythme de vie des gens, c'est-à-dire le quotidien des gens, varie d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Par exemple, dans un autre pays francophone comme le Canada, la journée commence plus tôt et se termine plus tôt qu'en France. Au Québec, les horaires de travail sont beaucoup plus flexibles qu'en France. Souvent, les gens peuvent commencer à travailler entre sept heures et huit heures du matin et finir leur journée de travail plus tôt, entre seize heures et dix-sept heures. En France, au contraire, on travaille généralement entre neuf heures du matin et dix-huit heures, voire entre dix heures et 19h. heures. Le matin, contrairement aux Québécois, les Français aiment dormir et prendre leur temps. En semaine, les Français prennent leur petit déjeuner tranquillement, sans se presser, avant de partir travailler, et le week-end, ils font souvent la grasse matinée, c'est-à-dire qu'ils restent au lit jusqu'à neuf heures, dix heures, ou même onze heures du matin. Le rythme de vie est aussi parfois très différent dans des pays très proches de la France. En Espagne, par exemple, les gens mangent beaucoup plus tard qu'en France. C'est surtout vrai pour le déjeuner et le dîner. Ainsi, les Espagnols déjeunent souvent entre une heure et trois heures de l'après-midi autrement dit entre treize heures et quinze heures, alors que les Français préfèrent déjeuner entre midi et une heure de l'après-midi. Enfin, le soir, les Espagnols dînent souvent après vingt et une heures, alors que les Français dînent le plus souvent entre sept heures et huit heures du soir, autrement dit entre dix-neuf heures et vingt heures. D'ailleurs, les Français se demandent toujours comment font les Espagnols pour manger si tard et ne pas mourir de faim. Mais que font les gens pour briser la routine? Pour sortir de la routine, il est possible de faire différentes activités le matin, le midi et le soir en dehors des heures de travail. Par exemple, pour bien commencer la journée et avoir plus d'énergie, certaines personnes se lèvent plus tôt le matin pour sortir faire du jogging ou se promener en ville ou dans la forêt. D'autres personnes font de la méditation ou du yoga. Ça permet de prendre un moment pour soi et de commencer la journée de bonne humeur. À midi, Certaines personnes font une courte sieste après le repas pendant leur pause déjeuner pour se reposer. D'autres vont digérer leur repas dans un parc avec un peu de musique. Le soir, certains aiment sortir avec leurs amis, sortir boire un verre, sortir danser ou sortir faire la fête. D'autres restent chez eux et préfèrent se plonger dans un livre ou jouer à un jeu de société, en famille ou entre amis. Et vous, que faites-vous pour sortir de la routine Difficile. Difficult. How difficult D'échapper. To escape à la routine, from routine, difficile d'échapper à la routine. Difficult, how difficult to escape from routine. Hein? Échapper à quelque chose is to escape from something. Mais qu'est-ce que la routine? But what is routine? La routine. Ce sont toutes les activités, et les actions et les habitudes. Routine refers to all the activities, actions and habits. Que nous répétons. That we repeat. Tous les jours. Every day. Au quotidien. On a daily basis. La routine est présente dans notre vie quotidienne. Routine is present in our daily lives. Et il est difficile d'y échapper. And it is difficult to escape from it. To escape from something in French is échapper à quelque chose. So, à quelque chose is replaced by i. To escape from it becomes d'y échapper. Il est difficile d'y échapper. It is hard to from it escape. Il est difficile d'y échapper. Pour beaucoup de gens, for many people, elle est associée à quelque chose d'ennuyeux. It is associated with something boring. Ennuyeux, boring. De monotone, monotonous, et de négatif, and negative. Quelque chose d'ennuyeux, de monotone et de négatif. Something boring, monotonous, and negative. Pourtant, however, la routine est plutôt une bonne chose. Routine is actually a good thing, or is rather a good thing. C'est plutôt. Une bonne chose. Pourquoi? Why? Parce qu'elle apporte, because it brings, parce qu'elle apporte une forme de stabilité et de structure à notre vie. Because it brings a form of stability and structure to our lives. Elle nous permet, it allows us. On, it makes it possible for us. Elle nous permet d'aller plus vite. It allows us to go faster. Et de dépenser moins d'énergie. And expend less energy. Pour réaliser certaines activités du quotidien. In carrying out certain daily activities. Réaliser une activité is like to carry out an activity. Une activité du quotidien is exactly like une activité quotidienne, which is a daily activity. Mais bien sûr, but of course, il ne faut pas, we shouldn't or we mustn't, il ne faut pas se laisser enfermer dans la routine. We shouldn't or we mustn't let ourselves be trapped in the routine. Enfermer is to lock someone into something. Se laisser enfermer, literally, it's like to let yourself uh, locked in, like in a room or in something, yeah? which is like to be trapped. So don't let yourself be trapped. Ne te laisse pas, ne vous laissez pas enfermer. Dans la routine, in the routine. Sinon, otherwise. Sinon, en effet, indeed, on s'ennuie. We get bored. On s'ennuie. Parce que chaque jour semble se répéter. Because each day seems to repeat itself. So in this sentence, we have three reflexive verbs. Laissez Quelque chose is to let something. Se laisser is to let yourself. Ennuyer quelqu'un is to annoy someone. But s'ennuyer as a reflexive verb is to get bored. Literally is to annoy yourself. And répéter quelque chose is to repeat something. Whereas se répéter as a reflexive verb is to repeat yourself. So, je me laisse enfermer dans la routine is like I let myself be trapped in the routine. Je m'ennuie, I'm bored. Literally, I'm annoying myself, I'm bored. And je me répète, I'm repeating myself. So, the idea with reflexive verbs is that the object of the verb is also the subject. The subject is the object of the verb. So, for example, here, I am not repeating something. I am repeating myself. Je me répète. Reflexive verbs are so called because they use a reflexive pronoun. The reflexive pronoun is built in like it's coming with the verb. You can't get rid of it. Sometimes it changes the meaning of the verb. It's called reflexive because it's mirroring the subject. Yeah? It's always I myself, you yourself, he himself, her herself, we ourselves, you yourselves, they themselves. Yeah? So in French, it will always be je me, tu te, il se, elle se, nous nous, vous vous, il se, elle se. So me, te, se, nous, vous se, are the reflexive pronouns in French to say myself, yourself, himself or herself, ourselves, yourselves, and themselves. And as usual in French, pronouns are placed before the verb. Je me répète. I myself repeat. Yeah, I repeat myself. Tu te répètes. You repeat yourself. Il se répète. He's repeating himself. Elle se répète. She's repeating herself. Nous nous répétons we are repeating ourselves or we repeat ourselves vous vous répétez you're repeating yourselves Et ils se répètent elles se répètent they are repeating themselves or they repeat themselves Reflexive verbs can also be called pronominal verbs because they use a pronoun, a reflexive pronoun. You know? So, reflexive verb, pronominal verb, it's exactly the same thing. It's just those verbs in French that are using a reflexive pronoun. You know? Me, te, ce, nous, vous, ce. Alors, mais alors, so, quelles sont toutes ces activités? Ces actions et ses habitudes. What are all these activities, actions and habits? Uh, literally, which are all these activities, actions and habits? Que nous répétons, that we are repeating or that we repeat, tous les jours, every day, au quotidien, on a daily basis. Bien sûr. Of course, tout commence le matin. It all starts in the morning. Quand il faut se réveiller et se lever. When we have to wake up and get up. Se réveiller, to wake up. Se lever, to get up. So here we have two reflexive verbs. Se réveiller and se lever. To wake up, to get up. If you get rid of the reflexive pronoun, the meaning is different. Those verbs require an object, so if they are not reflexive, it means that the object is something or someone else. Réveiller quelque chose, réveiller quelqu'un, is to wake something or to wake someone. For example, Je réveille le bébé. I wake up the baby. And lever means to lift or to raise. So lever quelque chose, lever quelqu'un can be to raise something or to raise someone. Yeah? Or to lift something or to lift someone. Je lève la main. I'm raising my hand. I raise my hand. Je lève la main. But you see here, for example, um, when the verb is reflexive, the, the meaning is totally different. Se lever becomes to get up. So literally, it's like to raise yourself, to raise your own body yeah, from the bed. You raise yourself, you get up. So when I say je me lève, like I get up, literally, I'm raising myself. The thing I'm raising is myself, my own body. So, reflexive verb, it's always when the object is the same as the subject. So, je me réveille, I wake up. Je me lève, I get up. If I were not using the reflexive pronoun, it would mean that I would be uh, waking or raising something or someone. So, an object would be required in the sentence. Je réveille le bébé. I'm waking up the baby. Je lève la main. I'm raising my hand. Par exemple. Jusqu'ici, so far. Yeah, in French we say until here. But it means so far. Jusqu'ici. C'est probablement pareil pour tout le monde. it's probably the same for everyone so here be careful with uh, it's the same yeah we have two possible ways to say it in french c'est la même chose it is the same thing but in that case you have to say thing in french yeah c'est la même chose you cannot say c'est la même that's not enough in French. You have to say c'est la même chose. It is the same thing. That's the same thing. Or, to make it shorter, you can say c'est pareil. It's the same. C'est pareil. So, if you want to say, oh, it's the same, you can say in French c'est la même chose or c'est pareil. Après, Il existe deux types de personnes. Here, après doesn't really mean after or afterwards. Yeah? It's more like then. Then there exist two types of people. Il y a ceux. There are those. Il y a ceux qui préfèrent prendre le petit déjeuner d'abord, first. Yeah? There are those who prefer to have breakfast first. Et aller se laver ensuite. And then go wash up. Yeah? Or and go wash up later. D'abord, first. Ensuite, then or later. Et il y a ceux. And there are those. Et il y a ceux qui préfèrent aller se laver. And there are those who prefer to wash up avant de prendre leur petit déjeuner. Before having breakfast. Yeah, so in French, we have a structure here which is very important: avant de faire quelque chose. Yeah, avant de plus a verb infinitive. avant de prendre leur petit-déjeuner before having breakfast. So here, in English, um, it is to, to have breakfast. Yeah? But in French, we say to take breakfast. Prendre, prendre le petit-déjeuner. And talking about food, when English uses have, usually in French we use take, prendre. So when you want to order some food, if you want to say i will have blah 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 in french you can say je vais prendre literally it's like i'm gonna take i'm gonna grab something you know? je vais prendre un croissant i'll have a croissant je vais prendre un coca i'll have a coke par exemple dans la salle de bain in the bathroom les habitudes varient aussi En fonction des personnes. Habits also vary depending on the people. En fonction de means depending on. Certes, certainly, or of course, tout le monde se lave les dents. Everyone brushes their teeth. Se brosser les dents to brush your teeth. Yeah, it's reflexive. in french, we don't use possessives for body parts, so we say to brush yourself the teeth. Yeah? we don't need to say to brush yourself your teeth. no, we just say to brush yourself the teeth. Yeah? je me brosse les dents. i brush my teeth, which literally means i'm brushing myself the teeth. mais il y a ceux qui préfèrent prendre une douche le matin. But there are those who prefer to take a shower in the morning, et ceux qui préfèrent prendre une douche, and those who prefer to take a shower ou prendre un bain, or have a bath le soir, in the evening. Yeah? So in English, uh, to have a bath in French is to take a bath, prendre, prendre un bain. En fait, in fact, or actually, certains prennent même une douche le matin et une autre le soir. Some people even take a shower in the morning and another one in the evening. Même means even. Certains prennent même. Some even take. Certains prennent même une douche le matin et une autre le soir. Some people even take one shower in the morning and another one in the evening. Alors que, while or whereas, alors que d'autres n'en prennent aucune. While others don't take any. So here the grammar is a bit more complicated. Yeah. It's a bit more advanced. So I will not explain too much, but uh, keep in mind that the pronoun en means something like of it or of something. For example, here prendre une douche means to have a shower. Prendre une douche to have a shower. En prendre une means to take one. Like to take one of it, speaking about shower. And en prendre aucune, it means to take known of it, not to take any of it. So, if I say je n'en prends aucune, that means I'm having known or I'm not having any. Aussi, also, certaines personnes se coiffent. Some people do their hair. They style their hair. Et d'autres ne se coiffent pas. And others don't do their hair. They don't style their hair. Yeah? Se coiffer is to do your hair in the morning. Les habitudes varient aussi entre les hommes et les femmes. Habits also vary between men and women. Le plus souvent, most often or most of the time. Les hommes se rasent la barbe et la moustache. Men shave their beards and moustaches. Alors que, while, whereas, alors que, les femmes ne se rasent pas. While women don't, or whereas women don't shave. Se raser. Is reflexive, it means to shave, like to shave yourself, literally. Et le plus souvent, and most often, or, and most of the time, les femmes se maquillent. Women make up, or they apply makeup. Alors que les hommes ne se maquillent pas. While men do not, or whereas men don't make up, they don't apply makeup. Se maquiller is reflexive. It means to make up, to apply makeup on your face. Il reste ensuite. Then it remains. Il reste ensuite à décider comment s'habiller. You know, then it remains to decide how to dress. S'habiller is reflexive. It means to dress. Habiller on its own means. To dress something or someone. But s'habiller, reflexive, means to get dressed, to dress yourself. Bref, in short, bref. Le matin, in the morning, il faut se préparer pour sortir et aller travailler. You have to get ready to go out and go to work. Or it is necessary to get ready. Se préparer means to get ready. Pour sortir, to in order to go out. Et aller travailler, and go to work. Preparer, on its own, means to prepare something, to get something ready. Je prépare le café. Like I'm making coffee, I'm preparing the coffee. But se préparer, reflexive, means to get ready. Yourself. You know? Je me prepare, I'm getting ready. Le soir, in the evening, au contraire, on the contrary. On se déshabille, you undress, or we undress, people undress. Ou on se change, or you change your clothes, or people change their clothes, you know? or one changes one's clothes pour aller se coucher, to go to bed. Aller se coucher is to go to bed. So here, be careful if you want to say in the morning, in the afternoon, in the evening. In French, we don't say in. It's enough to say the morning, the afternoon, or the evening. Yeah? Le matin, l'après-midi, le soir. Le soir, je sors. In the evening, I'm going out. Quand ils se mettent au lit, when they get into bed, yeah, literally, when they put themselves to bed. Se mettre au lit, to get into bed, literally means to put yourself in the bed. Quand ils se mettent au lit, certains lisent un livre. Yeah, when they get into bed, some people read a book. Et d'autres allument la télévision, and others turn on the television, ou regardent leur téléphone, or look at their phone. Allumer is to turn on, or to switch on. Éteindre is to turn off, or to switch off. Allumer la télévision, éteindre la télévision. Allumer le téléphone, éteindre le téléphone. You can also say, allumer l'ordinateur, éteindre l'ordinateur. to turn on the computer, or to turn off the computer. allumer la lumière, éteindre la lumière. to switch on the light, or to switch off the light. En tout cas, in any case, en tout cas, lire un livre au lit, reading a book in bed, Et probablement le meilleur moyen de s'endormir is probably the best way to fall asleep. S'endormir means to fall asleep. Moi, je n'échappe pas à la routine. So, as for me, concerning myself, yeah, moi, je n'échappe pas. Literally, I don't escape. Like I cannot escape. Je n'échappe pas à la routine. From the routine. Yeah, I don't or I can't escape from the routine. En semaine, during the week. Je me réveille le matin. I wake up in the morning. À 7h15. At 7.15. Or I wake up at 7.15 am. So in French, to say 15 past, you can say Et quart. Literally, that means and a quarter. You can also say quinze. Sept heures quinze. So to say seven fifteen or fifteen past seven, you can say sept heures et quart ou sept heures quinze. Je reste au lit quelques minutes. I stay in bed for a few minutes. Rester means to stay yeah it doesn't mean to rest that's se reposer je reste au lit i stay in bed quelques minutes for a few minutes i don't need to translate for in french yeah if i really want to translate it i have to use pendant i could say je reste au lit pendant quelques minutes pendant quelques minutes for a few minutes But I don't need to say it. Quelques minutes is enough. Puis je me lève. Then I get up. Vers around. Vers sept heures 20 Around seven twenty on twenty past seven. Ou sept heures et demie. On seven thirty or half past seven. So in French to say thirty or half past you can say et demi literally that means and a half 7h et demi is 7:30 uh, and of course i can also say 7h30 après afterwards or after that après je vais directement prendre mon petit déjeuner i go directly to have breakfast Je prends un café allongé. I have a long coffee. C'est-à-dire un café de type americano, which is an americano-style coffee. Yeah? C'est-à-dire means like that's to say, meaning, yeah, to give an explanation. C'est-à-dire un café de type americano, meaning that's to say, un café de type americano. An Americano style coffee, avec des tartines, with toast. Oui, yes. Je suis très français. I am very French. Et je mange donc du pain grillé, and so I eat toasted bread, avec du beurre et de la confiture, with butter and jam. tous les matins, every morning. Tout ça avec un jus d'orange. All of this with a glass of orange juice. You know, or just with some orange juice. Un jus d'orange. Après le petit déjeuner, after breakfast, vers huit heures moins le quart, around a quarter to eight. Here, I could say sept heures quarante-cinq. like 7:45. Yeah, but I can also say 8 heures moins le quart. Literally 8 o'clock minus a quarter. 8 heures moins le quart. So 15 to 8. A quarter to 8. Je me brosse les dents. I brush my teeth. Se brosser les dents is to brush your teeth. Yeah, to brush yourself the teeth, literally. Et je me lave le visage. And I wash my face. Se laver, to wash, like to wash yourself. Le visage, the face. Vers 8h moins 10. Around 10 to 8. In French we say 8 o'clock minus 10. 8h moins 10. I could also say Sept heures cinquante, seven fifty. So vers huit heures moins dix ou huit heures moins cinq. Around ten to eight or five to eight. Or vers sept heures cinquante ou sept heures cinquante-cinq. Around seven fifty or seven fifty-five. Je m'habille. I get dressed. Je me coiffe. I do my hair. Et je suis généralement prêt and I'm usually ready vers 8 heures. by 8am. Yeah, by 8. Bon, parfois well, sometimes c'est vrai. It's true. Je reste au lit plus longtemps. I stay in bed longer. Plus longtemps, longer. Et je ne suis pas prêt avant 8h15. And I'm not ready before 8:15. 15 past 8. En tout cas, in any case, je suis toujours à l'heure. I'm always on time. Être à l'heure is to be on time. Pour donner mon premier cours. To teach my first class. Un cours is a class or a lesson in French. Yeah? It's not necessarily a course. It's just a class, a lesson. À 8h30. At 8:30. Le soir. In the evening. Je finis mon dernier cours à 18h. I finish my last class at 6 pm ou exceptionnellement à 19h30, or exceptionally at 7.30. Yeah? So here, I'm using uh, 18 and 19 to say 6 p.m. and uh, 7 p.m. With numbers above 12, yeah, from 13 to 24, we don't use écart, et demi, moins to say 15 past half and 15 to. So to say 7:15 p.m. I can say 19 h but I can't say 19h et quart. That's a bit weird. To say 7:30 p.m. I can say 19 h but I cannot say 19h et That's weird. Hmm? And to say 19.45, I can say 19.45, but I cannot say heures moins le quart. Je dine vers 20.00. I have dinner around 8 p.m. Dîner means to have dinner. Just like déjeuner means to have lunch. So in French we have a verb for it. So we don't need to translate "have". To have lunch is just déjeuner. Je déjeune means I'm having lunch, and to have dinner is just dîner. Je dîne means I'm having dinner. So je dîne vers 20h. I have dinner around 8 p.m. Et je vais me coucher. And I go to bed. Assez tard. Quite late. Tôt means early. Tard means late. Tôt, tard. Early, late. Vers minuit. Around midnight. Minuit. Ou une heure du matin. On one a.m. So, if it's not clear in French, if it's in the morning, in the afternoon, or in the evening, you can say du matin, de l'après-midi, and du soir. Seven heures du matin is seven a.m. Seven heures du soir is seven p.m. Yeah, or you can say dix-neuf heures as well. Three heures de l'après-midi is 3 p.m. Whereas 3 heures du matin is 3 a.m. Le rythme de vie des gens. So, le rythme de vie means something like the rhythm of people's lives or the pace of people's life. Yeah, it's referring to people's way of life and daily activities. Le rythme de vie des gens. C'est-à-dire, le quotidien des gens. The pace of people's lives, that is their daily routines. Varie d'un pays à l'autre. Varies from one country to another. Et d'une culture à l'autre. And from one culture to another. Par exemple, for example, dans un autre pays francophone. In another French-speaking country. Comme le Canada. Like Canada. La journée commence plus tôt. The day starts earlier. Et se termine plus tôt qu'en France. And ends earlier than in France. Here again, se terminer is reflexive. Otherwise, if I were saying just terminer, that would be terminer quelque chose. Like to finish something, but here the day finishes itself earlier, literally. So la journée se termine plus tôt qu'en France. The day ends or finishes earlier than in France. Au Québec, in Quebec, les horaires de travail, work schedules, or working hours, sont beaucoup plus flexibles en France, en much more flexible than in France. Souvent, often. Les gens peuvent commencer à travailler, people can start working, entre 7h et 8h du matin, between 7am and 8am, et finir leur journée de travail plus tôt. And they can finish their work day, their working day earlier. Entre 16 heures et 17 heures. Between 4 p.m. and 5 p.m. En France, au contraire. In France, on the other hand, on the contrary. Yeah, au contraire. On travaille généralement. People generally work. Or people usually work. Entre 9 heures du matin et 18 heures. Between 9 am et 6 pm. Voir, or even voir. Entre 10 heures et 19 heures. Between 10 am et 7 pm. Le matin, in the morning. Contrairement aux Québécois, unlike Québecers, people from Quebec les français aiment dormir et prendre leur temps. french people like to sleep and take their time. _dormir_ to sleep. _prendre son temps_ is to take one's time, to take your time. _je prends mon temps_ i take my time. _en semaine_ during the week. _les français prennent leur petit déjeuner. Tranquillement. French people have their breakfast leisurely, like quietly, tranquillement, sans se presser, without rushing. Se presser, reflexive, means to rush. Avant de partir travailler, before heading to work, hein, before going to work. Et le weekend, and on weekends. Ils font souvent la grasse matinée. They often sleep in. Faire la grasse matinée, like to do the fat morning, means to sleep in, yeah, to stay in bed for a long time. C'est-à-dire qu'ils restent au lit jusqu'à 9 heures, 10 heures ou même 11 heures du matin. Meaning they stay in bed until 9, 10 or even 11 am. Le rythme de vie est aussi parfois très différent. So the rhythm or the pace of life is sometimes very different. It is also sometimes very different. Dans des pays très proches de la France, in countries very close to France, en Espagne par exemple, in Spain for example, les gens mangent beaucoup plus tard qu'en France. People eat much later than in France. C'est surtout vrai. This is especially true. Surtout means especially. C'est surtout vrai pour le déjeuner et le dîner. This is especially true for lunch and dinner. Le déjeuner, le dîner. Lunch, dinner. Ainsi, thus, les Espagnols, Spaniards. les Espagnols déjeunent souvent entre une heure et trois heures de l'après-midi. Spaniards often have lunch between one p.m. and three p.m. Autrement dit, in other words, entre treize heures et quinze heures. Alors que les Français, whereas the French alors que les Français préfèrent déjeuner entre midi et une heure de l'après-midi. Whereas the French, French people, prefer to have lunch between noon and 1 p.m. Yeah, so here, to say une heure de l'après-midi, 1 p.m., I could also say treize heures. Enfin, lastly, le soir, in the evening. Les Espagnols dînent souvent après 21h. Spaniards, Spanish people often have dinner after 9 pm. Alors que les Français dînent le plus souvent while the French mostly have dinner. Entre 7h et 8h du soir. Between 7 pm and 8 pm. Autrement dit, entre dix-neuf heures et vingt heures. In other words, entre dix-neuf heures et vingt heures. Yeah, between seven and eight p.m. D'ailleurs, in fact, actually, yeah, d'ailleurs is just like en fait. It means actually, in fact. D'ailleurs, les Français se demandent toujours. French people always wonder. Se demander is to wonder. It's like to ask yourself. Les Français se demandent. French people wonder. Les Français se demandent toujours. French people always wonder. Comment font les Espagnols? How Spaniards manage. Pour manger si tard. To eat so late. Et ne pas mourir de faim. And not starve. Mourir de faim means to starve. You know? Literally, it's to die from hunger or because of hunger. Mais que font les gens pour briser la routine? But what do people do to break out of the routine? Briser means to break out. Pour sortir de la routine, to break out of the routine. In French, we can also say sortir de la routine. Like to get out of the routine, or to leave the routine. Il est possible de faire différentes activités. It is possible to engage in different activities, or to do different activities. Le matin, le midi, et le soir in the morning during lunchtime and in the evening en dehors des heures de travail outside of working hours par exemple for example pour bien commencer la journée to start the day off right et avoir plus d'énergie and have more energy certaines personnes se lèvent plus tôt Le matin, some people wake up earlier in the morning. Pour sortir, faire du jogging ou se promener. To go jogging or take a walk. Faire du jogging is just to jog. Yeah? Sortir, faire du jogging literally is like to go out and jog. Yeah? So to go jogging. Se promener it's like to go for a walk, for a stroll. Sortir se promener literally means to get out of your house, of your place, to go for a stroll. En ville ou dans la forêt. In the city or in the forest. D'autres personnes font de la méditation ou du yoga. Others engage in meditation or yoga. Ça permet de prendre un moment pour soi. It allows them to have a moment for themselves. Or it makes it possible for them to have a moment for themselves. Et de commencer la journée de bonne humeur. And start the day in a good mood. La bonne humeur is the good mood. La mauvaise humeur is the bad mood à midi, at lunch time, or at noon. certaines personnes font une courte sieste après le repas. some people take a short nap after their meal. une sieste is a nap. faire la sieste is to have a nap. pendant leur pause déjeuner. during their lunch break. pour se reposer. to rest. Se reposer is reflexive. It means to rest. Yeah. Don't say rester. Rester in French means to stay. So if I want to say in the weekend, I rest at home. En français, le weekend, je me repose à la maison. D'autres vont digérer leur repas dans un parc. Others prefer to digest their meal in a park, avec un peu de musique, with some music, meaning while listening to some music. Le soir, in the evening, certains aiment sortir avec leurs amis. Some enjoy going out with friends. Sortir boire un verre, going out for a drink. Sortir danser, going out dancing, ou sortir faire la fête, on going out partying, like to party. D'autres restent chez eux, others stay at home, et préfèrent se plonger dans un livre, and prefer to immerse themselves in a book, ou jouer à un jeu de société. Or play board games. Un jeu de société is a board game. Les échecs, par exemple, is chess. Les échecs. En famille ou entre amis. With family or friends. En famille means with your family. Entre amis means with your friends. For example, Sortir en famille et entre amis means to go out with your family and with your friends. In French, we usually say en famille, literally in family, but it means with your family, and entre amis, literally among friends, but it means with your friends. Et vous, and you, que faites-vous? Pour sortir de la routine, what do you do to break out of the routine? Okay, that's all for this episode. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcripts and language activities for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.